Et bonjour à tous, c'est Nico Le Ch'ti avec V sur Cyberpunk 2077. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va aller rencontrer le Sharkudoc, se faire optimiser. Faut que je monte du côté conducteur. Mais avant d'y aller, donc la dernière fois on avait vu, on avait sauvé une fille dans une baignoire et on a fait la connaissance de l'équipe de la Trauma Team, assez violente. Et après on avait visité un endroit un peu plus calme, on a fait visiter des trucs. Et là, là-bas c'est juste des trucs, hein. C'est juste des policiers, hein, je crois, parce que je vois des... Alors, en fait en gros on pourrait même les attaquer si on veut. Mais c'est pas ce qu'il me faut. Nous on va aller prendre la voiture, on va monter. On commence par quoi? Sharkudoc et mollo sur l'accélérateur et c'est... Alors la caméra, est-ce que c'est la touche C? Non, c'est pas la touche C. C'est quoi la caméra? Je devais passer chez Vic de toute façon. Ah, Q, j'ai pas vu. À droite, il y a le micro qui bloque le bas de la caméra. Sans déconner. Hop. Bah ouais. Alors on y va. Je trouve que c'est une chouette fille. Elle me comprend, tu vois. Oula, oula. Oula, alors je vais tester avec la manette, voir si c'est un peu mieux. Alors hop, la manette elle est là. Ah, c'est déjà mieux avec la manette que les touches de la... Les touches du clavier. Par contre c'est assez inconduisible. On tourne à gauche. Et on va aller se garer juste là. Ah bah. Hop, on est bon. Amène-toi avec. En explorant Night City sans environ, vous pouvez tomber sur des conteneurs remplis de trésors. Je suppose que c'est ça. Le machin bleu, c'est quoi? Ah, ok, c'est voyage rapide. Ok, bah DTP. C'est cool. On a DTP. Donc c'est cool. Je vais essayer de voir si... Je pense pas qu'on puisse... se téléporter si on est là on peut... Non, on peut pas se téléporter okay. Alors la carte, on n'a pas vu la carte. Ah ouh, ouais, elle est quand même vachement grande. Je suppose qu'il y a aussi tout là. Ça c'est quoi? Ça c'est danger très élevé, trouver le ring. D'accord. Ah, c'est des contrats danger très élevé. Ok. 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 J'essaie de voir s'il y a un mode pour, comme j'ai mis sur Witcher, de se téléporter de n'importe où vers un point de TP. Et pas de n'importe où vers n'importe où. Ta tête ne revient pas. D'accord, ok. T'as un crâne rouge sur la tête, je suppose que c'est... ça doit être supra fort. Non, 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 mais je veux juste regarder. T'énerve pas. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut, lui? Alors. Donc bon, je sais pas ce qu'il a dit, bon, c'est pas grave. Rentrons chez Sharkudoc. Salut, V. Salut. Le docteur Vector va te recevoir. Je t'attends là. Misty et moi, on a des trucs à se dire. D'accord, là il y a un truc à lire, à prendre. Voilà, ramasser, nouvel éclat, le monde comme volonté et comme représentation. Et par-dessus tout, la mort est la grande occasion de n'être plus le moi, heureux alors qui sait en profiter. Pendant la vie, la volonté de l'homme est sans liberté, sa conduite est toujours fondée sur son caractère invariable, attaché à la chaîne des motifs, régie par la nécessité. Or, maintenant, chacun porte en soi le souvenir de bien des actions qui le rendent mécontent de lui-même. D'accord, blablabla. Arthur Schopenhauer. Ok. On a un nouveau boulot de prévu pour une grosse pointure de l'after. Aussi, un truc à lire. Prendre. Horoscope. Bonne groupe d'aventure. Moi, je suis poisson. Ah, client. Ah non, c'est un groupe. Ok. Il n'y a pas mon... Taureau, Bélier, Lion, Capricorne, Vierge. Ah, il n'y a pas Poisson. Tant pis. est à l'épreuve des balles. Tant pis pour vous. Donc là, est-ce qu'avant de descendre... Ah, on peut sortir. Ah non, on peut même pas sortir. De la rue, on peut rien faire. Là, il n'y a rien à fouiller. On peut descendre. Et... L'installation de matériel cybernétique a beau être une pratique courante, il n'en reste pas moins une opération dangereuse et invasive qui ne peut être effectuée que par des spécialistes qualifiés, les Sharkudoc. Night City en compte plusieurs qui offrent différentes améliorations matérielles. Sélectionnez l'amélioration cybernétique que vous désirez dans la liste et profitez de vos nouvelles capacités. Bah... d'accord. Donc hop. Eh Vic, t'as l'air en forme pour un vioc. Content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir, Harvey. Ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Mon dernier taf. On a toujours le dysfonctionnement du système, là. Je crois que j'ai chopé un truc. Migraine, nausée, hypersensibilité aux lumières vives. Ouais, la totale. Ok, petit. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va? T'as entendu parler de Dexter DeShawn? J'ai rencontré un nouveau fixeur qui m'a filé un boulot. Il s'appelle Dexter DeShawn. Une figure célèbre de l'afterlife. Tu montes les échelons, pas de doute. Mais... t'as quelque chose à me dire, Vic? Reste sur tes gardes, c'est tout. J'ai entendu parler de Dex. Il est pas aussi cool qu'il le laisse croire. D'accord, alors avant de discuter, il y avait ça. Alors... Nouvel éclat, certificat. Ah, certificat de participation remis à Victor Vector, deuxième place, catégorie poids lourd. Ok. Ah, ça a l'air d'être un... ouais, un boxeur, grand prix de boxe. Ah bah oui, il y a des grandes boxes en plus à côté. Là, je suppose qu'il y a... ouais, il y a rien de... Il a l'air de rien y avoir. Hein. Donc, je ferai bien... quelques améliorations. J'ai besoin d'un nouveau kit, Vic. Mais du vrai matos, pas des jouets. Je dois booster ma vision et il me faut une AD. Vraiment? Maintenant? Enfin? Vic, ça déconne plus. Je viens de décrocher un boulot pour Dex DeShawn. Je joue dans la cour des grands maintenant. Il me faut de la tech qui puisse suivre. Dexter DeShawn, donc. C'est du sérieux, je vois. Mais laisse-moi deviner, il t'a pas encore payé? Non, je n'ai pas l'argent. Mais je te paierai... en fait, si je clique dessus, ça prend pas en compte. Je te paierai quand le job sera fait. Vic. Je te rapporterai les édits plus tard, avec les intérêts. Tu me connais. Ouais. C'est la dernière fois, ok? Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Bah, allons-y, s'asseoir. Encore ce dysfonctionnement. Optique Kiroshi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Kiroshi, c'est la tech de pointe. Kiroshi, waouh. Vic, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors ça devrait être utile, je crois. J'ai promis de te rembourser, mais ça... c'est peut-être un peu au-dessus de mes moyens. On s'arrangera. Pour l'instant, je veux juste m'assurer que tu reviendras en un seul morceau. Avec des édits plein les mains. D'accord, bah connectons-nous. Jette un œil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. Ok, les implants cybernétiques sont des pièces mécaniques qui remplacent des parties de votre corps. Il vous confère des capacités surhumaines qui boostent vos aptitudes de combat et augmentent votre chance de survie face aux dangers. Bien qu'elle soit très commune en 2077, l'implantation de matériel cybernétique reste une intervention invasive, dangereuse. Les spécialistes appelés Sharkudoc peuvent procéder sans danger. Ok. Alors, on a deux trucs à se faire remplacer, donc l'œil. L'œil qui voit tout. Ok, on confirme. Et bah, la main, on a un truc aussi, bah, on le met, ça fait quoi? Augmente les chances de ricocher des armes cinétiques. connecte directement l'implant optique de l'utilisateur au système de l'arme, permettant le suivi des données en temps réel. Ok. Confirmé. Bah reculer, et puis on ferme tout ça, puis on y va. Comme je te disais, c'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée, et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentilles externes intégré. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tache floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. En gros, faut pas se balader à poil, parce que même si on n'est pas sur les caméras, un gars qui se balade à poil, compatible avec la tech Kiroshi. Il faut s'habiller de façon neutre. Je suis prêt, charcute-moi. Excellent, allons-y. Ah ouais, mais il va nous retirer notre œil. Allez petit, étends ton bras de champion ici. Sinon, quoi de neuf? Alors, le gars qui veut retarder le plus possible. Franchement, pas grand-chose. Et c'est très bien comme ça. Je vivais dans un monde où rien ne comptait à part les noms, les faits, le pourquoi, le comment. Il s'est passé quoi? Un jour, je suis parti sans jamais me retourner. Je serai jamais une légende dans cette ville. Mais je dors bien depuis. D'accord, bah posons le bras. Je pense qu'on a retardé l'échéance le plus possible. Un petit anesthésiant et je commence à inciser. Un petit, tu m'as fait 4 trous. J'ai l'impression d'être chez le dentiste. Encore cette question? Sérieux, Doc? J'ai l'impression d'entendre un dentiste. Toujours en train de radoter. Eh, sois gentil, tu veux. Oublie pas que je suis vieux et que ma vieille main organique tremble. Je pourrais riper. Non, ça ira. Je coupe l'image une minute, ok? Ah, je vous laisse imaginer ma tête. Ok, écran noir. On entend un bip. Ok, on va tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Ah. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Piratage ennemi en cours. On va faire notre chiant, bah c'est tout. J'ai déjà vu plus radical niveau changement. Patience, petit. Laisse-lui. Vous pouvez obtenir un tas d'infos en scannant les gens avec votre matériel cybernétique optique, comme la force d'un ennemi, le gang auquel il appartient ou le type d'arme qu'il utilise. En tant que netrunner de vol, vous pouvez voir une liste de piratage rapide à utiliser contre chacun. D'accord. Minute. Bon, on passe au scanner. Ok, au scanner. Il se peut que tu mettes quelques secondes à t'habituer. Mais il y a une première fois tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. Accès autorisé à la base de données du NCPD. Et aussi ajouter une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fauté. Base de données de personnes recherchées. Une base de données des personnes dont la tête est mise à prix est désormais à votre disposition. Vous pouvez identifier ces individus grâce à votre scanner. Puisqu'ils sont tous recherchés morts-vifs, vous pouvez employer la méthode de votre choix pour collecter la récompense. Continuez. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Ok. Alors dégainer l'arme. Ok. Et le virus, ça? Et pour le neurovirus, du dernier taf, tu sais, tu peux regarder? Je m'en suis débarrassé quand j'installais ton implant. J'ai lancé un scan complet de tes circuits, logiciels, et j'ai liquidé ce petit enfoiré. T'as ma garantie 0 bug. Ah bah c'est cool. Merci. Putain Victor, c'est cool. Je sais pas quoi dire. Bah alors dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. 2 bouffées maintenant, 2 autres dans 1 heure. D'accord, c'est quoi? C'est quoi ce truc? Un léger stimulant. Ça va booster la neurotransmission à court terme et estomper certains effets secondaires pendant que l'implant s'installe. D'accord, merci, t'es le meilleur. Merci encore, Vic. T'es le meilleur. Je t'en voudrais ça. Allez, petit, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. Ok. Ah, on peut lui parler? Ah bah oui, un ancien boxeur, il s'intéresse à la boxe. Hernandez. Tu sais, à la bonne époque, ce blaireau de Malone se serait fait sécher direct. Maintenant, tous les boxeurs ont un renforcement crânien. Ça absorbe 75% des chocs. D'accord. T'as parié? T'as misé du fric là-dessus? Non, je fais que regarder. Bah, c'est plus par habitude qu'autre chose. Ah, c'est pour ça qu'il est assez baraqué quand même, le gars. Sinon, ça te manque? Ça te manque, hein. Ah. Ok, ça va le boulot? Ton boulot, ça va? Oh, pas trop mal. Les corpos ont appris à garder leur distance. Et Arasaka commence à recruter des mercs indés, à qui il faut le nec plus ultra niveau implant. Heureusement que Misty est là pour t'aider. Et supporter tes jérémiades. Ouais, lui louer un local pour sa boutique a été l'une de mes meilleures décisions. C'est quoi? Tu dois être la seule personne dans tout Night City à être content de son sort. Passé un certain âge, t'arrêtes de t'accrocher à tes illusions. Ça te simplifie la vie, crois-moi. Bon, on peut quitter. J'ai pas vu toutes les coupes qu'il y a là-haut. Hein. C'est qu'il a remporté des trucs quand même. Hein. Donc, on va quitter tout ceci. Donc, on va retourner voir Jackie. Qui discute avec Misty. Ah, il y a... Caresser quoi? Oh, il y a un chat. Mon. Oh, j'aime pas trop cela. Ah, ici il y a un ascenseur. Ok, on va pas le prendre, ça nous intéresse pas. Hop, ouvrir. Ton chakra du cœur a l'air un peu détraqué, Trésor. Je peux le libérer pour toi, mais tu devras te méfier des énergies négatives et rester loin de tout ce qui est rouge. Mais il y a du nouveau. J'ai parlé à Dex pendant que t'étais avec le doc. Il t'attend dans sa caisse. Rien que toi. Il est garé tout près d'ici, à côté de Gramsci Burgers. Ok, je vais aller faire mon numéro. Allons parler à Dexter DeShawn, mais avant, on va parler à Misty. Et les affaires, Misty, ça marche? T'es le premier à entrer ici depuis 2 jours. Et il y a 2 jours, c'était un livreur de pizza qui s'était perdu. Les gens de cette ville, ils n'ont plus aucune connexion spirituelle. Mais bon, c'est moi qui suis à leur service, et pas le contraire. D'accord, ok. Donc c'est un magasin de spiritisme, ou de spiritualisme. Dis, V, j'ai une affaire délicate. C'est pour ça que c'est toi que j'appelle. Le nombre d'attaques de cyberpsycho en ville est en pleine augmentation. Okay. Je t'apprends sûrement rien, mais c'est un problème important pour moi. Pour différentes raisons. Il y a des gens qui disent que la cyberpsychose peut se soigner. C'est ça. Je sais parfaitement que ça a l'air dingue, mais je crois qu'une thérapie expérimentale, c'est toujours mieux qu'une balle dans la tête. Si j'entends parler d'une possible attaque, je te contacte. Tu pourras peut-être enquêter avant que la Max Tax se ramène. Mais je te rappelle que tu vas pas pour exécuter qui que ce soit. Essaie de neutraliser le psycho, et j'enverrai quelqu'un le récupérer. J'espère que tout est bien clair. Bah oui, c'est clair. Alors, il existe différents moyens de neutraliser les ennemis sans les tuer. Neutralisation non mortelle, piratage rapide non mortel, armes non mortelles, grenades, IEM et certains gadgets de combat, module d'armes rendant les dégâts non mortels. Si une arme, un gadget de combat ou un piratage rapide affiche des dégâts non mortels, sa description le précise. D'accord, ok. Bah merci Régine. Alors, on va tester le scanner. Alors, lui c'est... Xiol et Xué, aucune affiliation. Civil, et lui c'est qui? Ah, c'est un Netrunner. Saut chargé, surchaud. Vulnérable au feu, poison électrique. Résiste à... Ah, au piratage. Ok, c'est un piano avec des 1 et des 0. Ok, toi t'es quoi? Aucune affiliation. Aucune affiliation. Là-bas il y a des policiers. Ah, on peut pirater. Ok. Court-circuit, protocole de piratage. Ennemi public. Ah, il y a un ennemi public. Ah non, ou alors c'est... civil. Ok. Bon, bah c'est sympa, on va... On va s'intéresser à ça. Donc, on a eu le tuto les cyberpsychos. Et donc, on va pouvoir aller voir Dexter DeShawn. Merci, monsieur. Et on va monter. Ah, c'est lui. D'accord, ok. Lui, on l'avait déjà vu sur les premières vidéos de gameplay de Cyberpunk 2077. Il y a quelques années déjà. Alors, on va écouter sa voix française. Parce que sa voix française, enfin sa voix originale, enfin quand c'était en anglais, je l'adore. Ils avaient mis. Il me semble que c'était un petit accent haïtien, mais là j'ai pas l'impression qu'ils aient repris en VF. Je suppose que c'est par rapport, si on lui avait mis un accent sur un gros black, ça aurait fait parler. Voilà, moi j'aurais bien aimé voir la voix Oui, deux minutes Dexter. J'explique à mes viewers ta voix française. La voix française du... Je sais plus le nom, mais du black aussi qu'il y avait dans StarCraft 2. Il avait une bonne grosse voix comme ça. J'aurais bien aimé voir cette voix comme ça. Ou alors... Il y a un de mes cousins qui joue à Warcraft, il m'avait expliqué aussi la voix de Beau Samedi, un truc comme ça. Et en fait, cette voix-là aussi, elle aurait été collée super bien, mais c'est dommage. Alors, c'est quoi? Un test? Alors, c'était quoi? Ou bien mourir? Un test? Un test? C'est juste un petit sujet de réflexion. Comme une devinette? Non, monsieur V, c'est de l'ontologie. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Mais par contre, la voix, c'est la voix française de Christopher Judge, de Stargate SG1, qui jouait Tilk, et aussi la voix du char mâle de Guild Wars 2. Oui, deux minutes. Pourquoi vous vouliez me voir? Minute. Moi. Moi aussi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi tout ça? Pourquoi moi? Vous auriez pu demander à Jackie ou T-Bug de venir à ma place. Ou alors vous auriez pu m'appeler. Tu vas me trouver vieux jeu. Mais j'aime bien voir avec qui je fais affaire. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer l'ami Jack par le passé. Et la douce T-Bug m'a rendu service il y a 2 ans. Ce qui m'a amené à te contacter. D'accord. En plus de ça, j'ai une petite mission préliminaire rien que pour toi. Mais je vais y revenir. Ok, bah... dis-moi en plus. Écoute. C'est quoi ce boulot? Il s'agit d'un prototype de tech, une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo, j'imagine. Ouais. Arasaka. Ah, mon ancien employeur. Pas du tout. Les corpos méritent pas de traitement de faveur. Merde, tu plaisantes pas. Bah, ils m'ont viré. Je sens que ça pourrait être le début d'une belle quand même, quoi. Qui est basé sur un paquet dédié. Vous y avez réfléchi? Vous avez un plan? 2 choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler sa fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. Ok. Parle-moi de la cliente. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi ce rendez-vous? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et? Tes frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher et s'en est resté là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. T-Bug ne fait pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Moi aussi, hein, j'ai des points forts. Hein. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom? Vous êtes en froid? Insère l'éclat. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a 2 semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendu. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef, mais 3 jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Randall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant, et je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. Ok, bah sacré briefing, hein, c'était sympa. Ah, ok, ah. Alors, je suppose que ça, parce que j'ai commencé en tant que corpo, donc on a des options de dialogue en plus, donc c'est cool. Mais avant toute chose, ce Royce, c'est qui? Ce Royce, c'est quel genre de type? Un amoureux du chrome, totalement psychopathe. Il y en a beaucoup dans cette ville. C'est pas faux, mais peu d'entre eux balanceraient comme ça un ami et associé dans un séchoir à micro-ondes industriel, quelle que soit la raison. Ah, ça avait l'air sympa. Ils explosent en premier, ils éclatent comme des ballons. Après, tout le reste se transforme en bouillie. D'accord. Donc, je suppose qu'on peut pas, on pourra pas parlementer avec lui. Donc, bah, on va se faire notre ligne de dialogue qui nous intéresse. Allô, vu qu'on était corpo. Donc, la femme, c'est un agent corpo. L'agent corpo. À quoi il joue? J'en sais foutrement rien. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. Hmm. On dirait qu'elle attendait le convoi et qu'elle s'est fait planter. Le costard à l'arrière, c'est sûrement son principal suspect. Comme elle a rien tiré de lui et qu'elle a pas de preuves, elle le garde au cas où. Mais elle doit retrouver le matos avant que ses patrons se rendent compte qu'elle a merdé. Eh bien, Monsieur V, sacré pouvoir de déduction. Évidemment, je te laisse exploiter ces infos comme tu l'entends, bien de préférence. Et pour ça, il va te falloir le dossier de cette morue. Je te l'envoie. Bah, merci. Bah, j'ai tout ce qu'il me faut, merci. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique, je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Lizzy's. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Une dernière chose, monsieur. Ah, j'allais sortir. Une vie paisible ou une mort spectaculaire? À plus. Je suppose qu'on a cette ligne de dialogue parce qu'on n'a pas répondu à ni l'une ni l'autre tout à l'heure. Ok. Vous gagnerez de la réputation en accomplissant certaines actions. Forgez cette réputation pour vous faire un nom dans les bas-fonds de Night City et pour vous ouvrir les portes. Ok. Merci. Donc, alors on va répondre à Jackie déjà. Parler à Dex. Gordito, c'est un gros poisson, hein. Au propre comme au figuré. D'accord. Il veut nous tester pour voir si on est à la hauteur. Ce type sait comment protéger ses affaires, y a pas à dire. Il veut nous confier des petits coups, un genre de travail préparatoire avant de nous mettre sur du lourd. Il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex leur a racheté. Mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'ils puissent le récupérer. Ouais, j'en ai entendu parler. Royce contre Brick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais... je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Bon. D'accord. Tu sais quoi sur Royce? Bah dis-moi, t'as pas l'air super joyeux. Tu sais quoi sur Royce? Lui, c'est un matraqué de chez matraqué. Les junkies sniffent de la coke, lui, il sniffe du chrome. Et il y a un autre truc. Et il y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi? Le Dex, il va faire quoi? Se balader en limo en draguant des filles par rouleau? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi? Le Maelstrom ou par cœur? Bah, on va commencer par la cliente. Par cœur. Je préfère la voir avant, histoire de savoir où on met les pieds et ce qu'elle cherche. Bon, allez. Je vais faire un tour à l'usine Old Foods, alors. Fouiner un peu. Tâter le terrain. Hasta luego. Ah, plus tard. Ok, donc... Ouais, je me balade en même temps. On regarde ce que c'est. Donc là-bas, c'est de la bouffe. Je pensais que ça ressemblait à une batterie de loin, mais en fait, c'est des trucs de bouffe. Ah, j'ai des messages sur le téléphone. Donc, Jackie Welles. Ouvrir les messages. Donc, coach Fred. Ok, ça, c'est les trucs de boxe. Ok, Dexter. Monsieur V, qu'est-ce que tu dirais d'un petit quelque chose pour titiller tes papilles? La biopuce en question, hein. D'accord, ok. On peut répondre à Victor. Salut V. J'y penche, tu peux pas commencer ta carrière dans la cour des grands avec un pauvre t-shirt tout troué. Le vent souffle bien, le vent souffle bien plus fort au sommet du monde. Blablabla. Donc je t'ai essayé des fripes dans la cage de ton appart. D'accord. Ouais, mais je te dois déjà des édits. Donc c'est bon, quoi. Un nouveau cadeau, on va pas... Ah, dommage. Il n'a pas oublié que le Kiroshi c'était cadeau, n'était pas un cadeau. Qu'est-ce qui te prend si longtemps? Bouge tes fesses, essaie. Dex nous attend. Ouais, bah, 2 secondes. Je peux pas répondre encore. Ou c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Là, j'ai... Ah, niveau supérieur. J'ai envie de mettre des points en intelligence. Il faut que je fasse ça. Maintenir pour acquérir. Ok. Et, ah ouais, là, ces trucs... Passif, dire... Ah, ça peut être intéressant, les caméras. Et là, il y a piratage rapide. Oh, il y a encore des trucs. Ah bah tiens, on va maintenir ça. Hop, le manuel du hacker. Comme ça on a des... On a des plans en plus pour la construction. Et donc on va appeler la voiture. Ok, la voiture elle est là et on a encore un message. Un nouveau cadeau. Ouvrir les messages. Alors Dexter, il a encore un truc. Ouais, j'espère que t'en auras l'usage. Ok. Monsieur V, je voulais juste te rappeler que des édits ont des changements demain entre moi et mes estimes assommiers. Pour être précis, alors je te laisse se faire. Alors ne te laisse pas faire, saisissez dans tout, surtout et plus. D'accord, merci pour l'info. Ok. On aura besoin à bonne chance. Ok, bah, grimpons dans la voiture. Allons au Lizzy's. En voiture. Hop, je reprends la manette. Ok, là, on a le frein à main sur... En fait, c'est Forza. Et là, j'ai mis la radio. Ah, c'est ce bouton-là. Hop. J'ai le klaxon. J'ai trouvé le bouton du klaxon. Et là on a la musique. Libre de droit hein, normalement. Hein. Je suis en mode streamer. Alors entre 18 h et... Ok, 17 h, on peut sortir. Hop, on reste appuyé sur le bouton B et je reprends le clavier souris. Donc, ça c'est bien. Ce genre de jeu, on peut vraiment... Là, je peux alterner la... Voilà, j'ai... Voilà, la manette, elle n'est pas configurée. Mais on peut configurer la manette. Ah, manette déconnectée en plus, pourquoi ça me le fait? Ok, vous voyez, la manette avec la souris. Donc je trouve sympa, surtout pour ce genre de véhicules qui sont pas... C'est pas assez maniable au clavier et à la souris. Donc on va attendre 18 h. Ah, normalement c'est pas ça. Est-ce qu'il y a... Inventaire. Fabrication. Personnage. Journal. Carte. Ah, attendre. Ok, c'est là. On peut attendre jusqu'à 18 h. Ok. On a attendu 18 h. Le bar est ouvert. Toi, t'es dans ma bagnole. Peut te bouger. Fais gaffe à ma bagnole, hein, sinon je te défonce. Allons au Lizzy Bar. Donc on connaît le Lizzy Bar, on a déjà été. Ça a l'air tendu, mon gars. Ça te dirait une déesse Premios? Une déesse? Ah, une danse sensorielle. Ouais, ça marche. C'est du bon. Non, on utilise la compétence corpo. Je suis déjà venu. Je me souviens pas de toi. Parce que je suis pas passé par le. Je m'étais garé tout là-haut. Tu sais que t'es marrant. Bon, les règles sont simples. Si quelqu'un te tape dans l'œil, tu touches pas. Tu cherches dans le catalogue, tu demandes une déesse et tu te trouves un box. Pas d'enregistrement, pas de tripotage dans le dos des videurs. Tu peux y aller. D'accord, les règles sont claires. Bien, mon gars. Bienvenue au Lizzy. Merci et merci. Bonne soirée, bonne journée, mesdames. Oh. T'es à croquer, toi. Merci, je suis à croquer IG et IRL. Si tu vois ce que je veux dire. Ouvrir. Allons-y. Ah, on a le scanner. Mox. Il y a déjà marqué Mox. Civil, habitué. Scan en cours. Voilà. Affiliation les Mox. Ah ok, c'est une affiliation les Mox. Ok, d'autres trucs. Alors Matteo, Thiago. Là on a je sais pas qui. Et là on a habitué aucune affiliation. Bah on va parler à Matteo. Coucou Matteo. Salut. Je sais que tu t'appelles Matteo, je t'ai scanné. Qu'est-ce que ce sera? Lizzy travaille toujours ici? Je me demandais. Allez, un peu de l'or du bar. Lizzy, c'est le nom de la proprio? Depuis longtemps, non. Mais c'est pas une histoire qui finit bien. D'accord. T'en as trop dit ou pas assez? Ouais, en effet. Lizzy dirigeait une boîte de strip à cet endroit. Ça s'appelait Lizzy's Bar. Les filles étaient bien payées et bien traitées. Tout était clean. C'était le bon temps. D'accord, et après? Ça a pas duré. C'est ça? Non, les Tyger Claws s'en sont mêlés. Un Tiger a cogné une des filles. Du coup, Lizzy lui a tiré une balle dans les couilles à cet enfoiré. Mais le gang a appliqué le lendemain. C'était fini pour elle. Oh, les recherches à Night City. Mais au final, les Tigers ont fini par lâcher cet endroit au Mox, non? Ouais, si on veut. Les Mox ont trouvé un arrangement. Ah bah voilà, les Mox. Heureusement, elles se sont vite organisées. C'est Suzy Q, la patronne, maintenant. Mais l'enseigne est restée. Question de respect. Et les affaires ont repris. D'accord, mais je cherche Evelyn. Je cherche Evelyn Parker. Tu sais si elle est là? Il la demande. Je m'appelle V. Je m'appelle V. On a rendez-vous, elle et moi. Enchanté, V. Moi, c'est Matteo. Ouais. Et donc, Evelyn? Le club est grand. Tu vas devoir la chercher. Je peux pas le faire à ta place. Oh, mais ça veut dire... Tout va bien, Matteo. Ah. Je l'attendais. Ok. Bonjour Evelyn. Vous êtes très proche, madame. Evelyn Parker. V. C'est dommage que le personnage s'appelle pas N. Ça aurait été bien. Je veux pas boire. Vous attendiez quoi pour venir me parler? Vous pouviez pas venir me voir tout de suite? Je voulais d'abord t'observer un peu. Ok. Et vous? Tu aimes ce que tu vois? Et vous aimez ce que vous voyez? Si c'était pas le cas, tu le saurais. Crois-moi. Ah. Viens. Il y a un endroit où on pourra parler sans craindre. On s'est fait bouli. On va au salon, Matteo. Si quelqu'un nous demande, on n'est pas là. Ouais. Et merci pour le verre gratuit que j'ai pas bu. Ah ouais, elle est marrante ta batte, toi. Entrons, bonjour. Oh, s'asseoir, il y avait un truc ici. Ah ouais, une famille, un empire. Prendre. Lire. Il n'y a plus à présenter l'héritage d'Arasaka, la corporation est l'une des plus puissantes de ce monde, et grâce à ses bureaux situés dans toutes les grandes métropoles. Depuis des années, elle dirige l'économie et la société de notre planète. On avait vu déjà un petit peu l'histoire d'Arasaka au premier épisode. Toutes les familles ont des secrets et les Arasaka ne font pas exception. Après tout, comme dit le proverbe japonais, le paradis d'un instant peut devenir un enfer. Ça c'est vrai. Bah ça, asseyons-nous devant un hologramme dès que t'en avais de danse sensorielle. Tu serais professionnel, efficace et digne de confiance. J'espère qu'il n'exagérait pas tes qualités. Non, j'ai d'autres qualités si tu vois ce que je veux dire. La vie de Dex, vous vous en foutez. Vous en avez rien à foutre de la vie de Dex. Vous le savez aussi bien que moi. Tu as du mal à accepter les compliments. Non, non. Mais la flatterie, c'est pas digne de vous. Je suis réaliste. C'est peut-être Dex qui n'est pas digne de toi. Ça fait longtemps que tu le connais. On vient de commencer. Je commence tout juste à bosser pour lui, en fait. Tu vois, on dit qu'il y a deux types de fixeurs. Ceux qui se gardent des équipes stables sous la main pour des contrats à longue durée, qui ne travaillent qu'avec les gens loyaux et prévisibles. Et puis il y a les autres. Ceux qui sont comme Dex. D'accord. Les autres ? Développement ? Allez, continuez maintenant que vous êtes lancé. Les chasseurs de tête. Ils se fient pas aux gens, mais à autre chose. Leur intuition. Ils misent sur le potentiel. Mais quand ils se plantent, c'est la dernière erreur de leur vie. J'espère que Dex a bien fait de suivre son intuition dans ton cas. Parlons affaires maintenant. Ok, allons droit au but. Vous attendez quoi de moi? Alors, ta cible. Je suppose que tu sais de quoi il s'agit. La relique. Un gadget du programme Protégez votre âme. Une technologie clé, en fait. C'est Arasaka qu'on vise. Ce qui veut dire que ce boulot est un putain de gros risque. Arasaka a investi des milliards dans la technologie de transfert de personnalité. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les données sur celle-là. La puce se trouve actuellement à l'hôtel Konpeki Plaza. Tu y es déjà allé? Bah corpo, hein, allons-y. Arasaka se débrouille bien avec cette chaîne d'hôtels, mais je dois dire que le Konpeki de Tokyo reste quand même un cran au-dessus. Pourtant, les deux sont identiques. Japon égale personnel japonais, le service est imbattable. Singapour, Paris, Washington, les autres sont que de pâles copies en comparaison. C'est vrai, y a pas à discuter sur ce point. Bon, cette puce, elle est planquée où, juste? Dans une suite au dernier étage. La chambre est occupée par Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka. Il est à Night City. Faut croire que les infodocs disaient vrai pour une fois. On ne parle que de ça dans toute la ville. Tu ignorais que le dernier fils vivant de Saburo Arasaka, l'héritier probable de l'Empire Arasaka, était ici? Quoi? L'empereur se prépare enfin à céder son trône après 150 ans? J'ai comme un doute. Il n'y a qu'une poignée de gens à Night City qui connaissent les véritables projets des Arasaka. Vous allez me dire que vous en faites partie? D'accord, donc c'est lui ma cible. Donc on va pas s'attaquer à la corpo, mais à Yorinobu Arasaka lui-même. Yorinobu n'est qu'une marionnette. Il n'a plus aucune carte en main depuis qu'il a refusé d'obéir à papa. Saburo le tient par les couilles depuis des années. Et il pourrait carrément les lui broyer, s'il apprend que son fils manigance encore un truc. N'empêche, on parle quand même de Yorinobu Arasaka là, hein? Il doit être entouré d'une armée. Ouais, mais si on parle de lui dès le niveau du jeu, il doit être niveau 3, hein, pas plus, ça n'empêche. Un rupin comme Yorinobu a sûrement une armée à dispo. Et l'hôtel doit être devenu une vraie forteresse. Yorinobu n'a absolument aucun mignon avec lui. Pas un seul garde. Il s'en est débarrassé depuis longtemps. Ah. Ouais, mais il reste niveau 3 quand même. Tu sais sûrement ce qu'on dit sur les services de renseignement d'Arasaka. Si quelqu'un éternue à Night City, une fleur de cerisier tombe à Tokyo. Yorinobu était convaincu que ses gardes d'Arasaka rapportaient tous ses faits et gestes à son père. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que t'as dans ta manche? Écoutez, si vous avez d'autres atouts dans votre manche, c'est le moment de les sortir. C'est là que ça devient croustillant. Yorinobu a fauché la puce lui-même dans un laboratoire d'Arasaka. Il a passé un accord avec Netwatch. Il a prévu de la leur vendre. Et maintenant, tu le vois mon atout? Ou il faut acheter des optiques? D'accord. Et qu'est-ce que Yorinobu y gagne? Et Yorinobu, il gagne quoi dans tout ça? Peu importe, c'est la biopuce qui nous intéresse. Qu'est-ce que les gardiens du cyberespace pourraient bien lui offrir? Des infos sur ses ennemis? Ça n'a aucune importance, parce que tu vas t'assurer que la transaction n'aura jamais lieu et que c'est moi qui aurai la puce. D'accord. Mais Netwatch, ça colle pas. Non, j'y crois pas. La survie de Netwatch dépend de leur neutralité. Pourquoi ils foutraient en l'air leur répute en achetant du matos volé? Netwatch assure la sécurité de toutes les corpos, en raflant des millions d'édits au passage. Mais de nos jours, tout le monde veut sa part. Il n'y a pas de place pour les saints. Pour gagner, il faut savoir tout risquer. D'accord. Donc, aucune protection à Arasaka sur la puce, parce que Yorinobu l'a piquée en douce. Où est-ce qu'il la cache alors? Sûrement dans un conteneur spécial, censé reproduire un environnement neuronal organique. De l'extérieur, ça doit ressembler à une banale mallette. Et elle est où cette mallette? Tu le sauras bien assez tôt. Si on arrête un peu de parler de la famille Arasaka. D'accord. Corpo, j'ai entendu des histoires sur Yorinobu. J'en sais un peu sur Yorinobu. Il a étudié la finance et la biotechnologie à Tokyo, sûrement pour faire plaisir à papa. Saburo le préparait pour qu'il lui succède. Mais ensuite, Yorinobu a coupé les ponts avec la Corpo. Il a rejoint les Dragons d'Acier, un clan nomade de Tokyo. On dit qu'il se préparait à renverser Arasaka. Cette crise d'adolescence s'est terminée, comme c'est souvent le cas. Yorinobu est finalement rentré dans le rang, mais il a quand même gardé un goût amer. T'es bien informé, mais ce n'est qu'une de ses facettes. Il y a aussi l'homme intelligent, qui a ses propres projets concernant la corpo. D'accord. Il a peut-être pris goût au pouvoir, non? C'est peut-être juste un enfoiré de corpo assoiffé de pouvoir, comme tant d'autres. Est-ce que tu as déjà essayé de te mettre à la place du fils d'un empereur? Tu as tout, mais tu n'es rien, ni personne. Du moins, tant que tu restes dans l'ombre de Saburo Arasaka. Je compatis. C'est une vulnérabilité que je comprends très bien. Alors si on tue le père et le fils, enfin, on s'en débarrasse. Bah ça risque de foutre la merde. Il y a quoi sur cette relique? Une dernière chose. Les données sur cette puce. C'est quoi? C'est un détail, sans intérêt. Ces données, Yorinobu les a fauchées à Arasaka. Et en plus de ça, il veut les fourguer à Netwatch. Alors, me dites pas que c'est qu'un détail. Écoute, Fée, la relique, c'est mon problème. Toi, tu dois mériter ton salaire. Fais ton boulot, et je m'assurerai que ton compte en banque soit bien rempli. Alors, au début, je pensais que le Maelstrom et elle, enfin, ce qu'il veut récupérer... Dex, ce qu'il veut récupérer le truc militaire, et ça, c'était lié, mais en fait, non, c'est vraiment... deux choses différentes. Bon, bah, je me lève. Ok. Et maintenant? Maintenant, on passe au meilleur. Suis-moi. J'ai quelque chose qui devrait t'aider à planifier ton coup. Une danse sensorielle au Konpeki Plaza. Et comment c'est censé m'aider? J'ai besoin d'infos, pas de sensations. Tu crois qu'une déesse ne sert qu'à tripoter des nibars virtuels en s'astiquant dans un box? Non. Ça peut aussi être un outil très utile pour analyser des détails qui échappent à la perception humaine, même améliorée. Exactement ce qu'il te faut. Y'a quoi sur cet enregistrement? La suite de Yorinobu, dans toute sa splendeur. Tu vas devoir localiser la relique toi-même. J'espère que j'ai enregistré assez de détails pour que tu puisses y arriver. Une minute. C'est vous qui avez enregistré ça? J'ai un implant d'enregistrement de DS. C'est un souci? Bah non, mais tu connais donc Yorinobu personnellement. Si ça montre l'appart de Yorinobu, ça veut dire que vous y étiez. Vous vous connaissez? Comment j'aurais eu toutes ces infos autrement? Je le connais plutôt bien, en fait. Ah d'accord, ok. On a un arrangement, strictement professionnel. Et ça nous convient à tous les deux, je pense. Voyons cette danse sensorielle. Judy va nous aider. C'est aussi une Mox. Et je la connais depuis... des années. enlevé un détail important. Judy a toujours été là pour moi. Elle m'a toujours aidée. J'ai confiance en elle. Mais oublie pas, c'est une Mox. Pas le dernier membre de ton équipe. Alors sois gentil. Marche sur des œufs et tiens ta langue. Relax. Ça vous surprendra peut-être, mais je sais me tenir. Dans le privé, comme en affaires. Ah, encore des chaises. Ah, vous voilà. Je te présente V. Il est là pour la déesse. Et V, voici Judy. La meilleure éditrice de danse sensorielle que je connaisse. Ça va, arrête. Tu vas me filer des boutons. En tout cas, ah, on peut pas. Tu es super bien équipé. Impressionnant ton équipement. T'as besoin de tout ça pour traiter une danse sensorielle? Outils d'analyse, ampli de signaux sensoriels, moniteur d'ondes acoustiques et émotionnelles, traducteur d'expression faciale... Judy. Ouais, désolé. J'ai compilé ta DS, Eve. Alors, tu crois que ça va aller? C'est encore assez brut, mais ouais, ça devrait le faire. L'essentiel, c'est que V puisse s'immerger en profondeur. Ok, on va calibrer ça et l'ajuster pour lui. Oh, il y avait 70% de vraie viande. J'ai vu bien pire. Données sensorielles concept. Tu devrais jeter un œil au porno de Jig Jig Street quand on doit se taper des fois. Ah. Déesse d'accouchement. Pour. Ça n'a jamais été fait. Contre, il faut installer une couronne prénatale, ce qui va coûter plus cher. Ah. DS, des rêves les plus courants en compilation. Pour, c'est faisable. Contre, je devrais enregistrer les rêves de dizaines de gens pendant au moins un an pour identifier les thèmes suivants. Les thèmes récurrents, voler, nager, tomber, aller nu, au travail ou à l'école. 2 DS tournés par 2 acteurs configurant des pistes neurales pour donner l'illusion d'une seule DS. Pour, ce serait Nova. Contre, la tech n'existe pas. Alors on laisse V plonger. Pour qu'il jette un œil, qu'il fouine un peu. Ok ? T'en dis quoi, V ? Une danse sensorielle version brute. T'as déjà essayé ? Comment ça, brute ? Qu'est-ce que t'entends par brute ? C'est quoi la différence avec les déesses toutes prêtes ? Les déesses toutes prêtes, quand elles sont bien faites, te font sentir des émotions et des impressions que tu pourrais jamais éprouver dans l'espace réel. Mais ça reste du produit de masse, préparé à l'avance, codé en dur, encadré et gérable. Alors qu'une déesse brute, bah, c'est plus comme un environ virtuel. Tu peux te déplacer, étudier les choses en détail. Les éditeurs utilisent ces couches pour extraire des émotions et des pulsions plus intenses, qu'ils utilisent pour étoffer les déesses commerciales. Allez, pose-toi, installe-toi bien, et on va commencer. D'accord, ok, bah retour sur... une chaise. En cuir, mais bien abîmée. Ok. D'abord, je dois créer ton profil sensoriel. Mon profil quoi? Hein? Mon profil quoi? C'est un modèle de tes réponses et de tes perceptions émotionnelles. Je dois l'ajuster pour que tu sois pas submergé par la déesse brute. Sans ça, dans le meilleur des cas, t'auras la nausée dès que ça se lancera. Tu risques de gerber comme dans un mauvais environ virtuel. Et dans le pire des cas? Tes synapses vont griller comme des sauterelles dans une friteuse. Mais ça risque pas de... C'est une image. Bah, okay, allons-y, let's go. Let's gong, comme disent les jeunes. Non, pas cette fois. Allez, ne bouge plus, regarde-moi. Je vais lancer le logiciel d'analyse. Non, je te regarde. Tu vas sentir un léger picotement. Bien, maintenant on va régler l'optique et les autres signaux sensoriels. Regarde droit dans ces 2 écrans, comme pour un examen de la vue. Tu fais souvent ça? T'as beaucoup de demandes comme ça? Sans arrêt, mais c'est souvent des trucs que les filles projettent au club. Je fais du réglage de porno ordinaire. Pour booster les orgasmes? Plutôt pour faire le vide. Baiser, c'est la routine pour les clients. Leur esprit s'égare. Ils pensent aux courses, à l'anniversaire de madame, aux factures en retard, ce genre de truc. Mais ça n'empêche pas de reconfigurer les choses, de façonner les émotions pour rendre leur expérience unique et inoubliable. Alors, je vais pas me plaindre. Encore une seconde, je dois intégrer les limiteurs de nocicepteurs. Voilà, c'est prêt. On doit déjà tester ton profil. Je te balance un échantillon de DS. Utilise-le pour te familiariser avec l'éditeur. Bon, voyons voir. Où est-ce qu'on pourrait... On peut pas utiliser mon enregistrement? Pourquoi on perd tout ce temps? Pour pas prendre de risques. En plus, ce sera pas long. J'ai trouvé un truc. Ça sera parfait, je pense. Passer... Bon, c'est parti. Tu as choisi quoi? T'as choisi quoi? Le braquage d'une épicerie à Haywood. De vrais amateurs. Je sais même plus où j'ai eu ça. Mais ce sera parfait pour le test. On y va? Bah on y va, on va pas passer le didacticiel hein, parce que je ne connais pas. Je vais te faire commencer par la version soft, que tu prennes tes marques. Après on passera en mode édition. Attention, tu plonges dans 3, 2, 1. Ah, l'écran blanc qui fait mal aux yeux. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cash, tu ressors et on vend la DS à ces psychos du studio. C'est bon, pigé. Alors je peux pas bouger la souris. T'y vas à fond. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Alors je peux toujours pas bouger la souris. Hein. Couchez-vous, face contre terre. Je veux vous voir lécher le sol. Le fric, vite. Je te jure que je te bute. Ça fait 2 fois que tu recherches ton arme. Oui, je vais... Allez, avant que je t'explose ta putain de tête. Ah! Doucement, respire à fond. T'as eu un pic de cortisol et d'adrénaline, mais le logiciel a activé tes inhibiteurs d'hormones. Il t'est rien arrivé. T'es en vie. Ah, il s'est fait tuer. T'aurais pu prévenir. Ce choc intense, fulgurant. Je le sens encore, je me souviens. Cette putain de dernière seconde. T'aurais pu me prévenir que ça faisait aussi mal de mourir. Crois-moi, la vraie mort est bien plus douloureuse que ça. J'en suis pas si sûr. Tu vas survivre. Bon, tout est calibré. On va pouvoir passer en mode édition. En mode édition, d'accord. Je vais te déconnecter de la matrice sensorielle du filmeur de DS. Tu pourras regarder ce que tu veux. Toute la scène est à toi. Ah. En mode analyse, tu contrôles entièrement la caméra. Tu peux te déplacer, régler le zoom et tout ce que tu veux. C'est comme si tu avais ton propre terrain de jeu. En mode analyse, tu contrôles la lecture. Tu peux même mettre en pause si t'as besoin. Et après, t'affiches la console pour relancer la lecture. Vas-y. Alors... Mode lecture, ok. Mode édition. Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvises pas. T'entres, tu piques le cache, tu ressors... Alors mode brut, je pense que c'est tous les pixels. C'est bon, pigé. C'est Nova, non? Eh ben, c'est pas tout. Tu peux aussi accélérer ou rembobiner quand tu veux. Vas-y, essaie. Rembobine jusqu'au tout début. Et j'y m'en vais. Oui, du tino. Bien, super. Maintenant, essaie l'avance rapide. Ok, Bon, le plan est simple. Tu fais rien de bizarre, t'improvise pas. T'entres, tu piques le cache, tu ressors. Ok, tu peux aussi réinitialiser l'enregistrement pour revenir tout au début. Maintenir, revenu au début. Maintenant, on va s'éclater avec ce qui est la raison de ta présence ici. En mode analyse, tu peux voir et même scanner les détails de l'environ enregistré par le filmeur de DS. Concentre-toi sur l'arme que le pote de Spomar lui a donnée au début. Maintenant, scanne-la. Alors. Bon, le plan est simple. Tu fais rien bizarre, t'improvises pas. Non, tu piques le cache, tu ressors. Ils nous fileront une rallonge pour un bon boost d'adrénaline. Allez, vas-y. Voilà, ok. Là. Scanner, donc... Couche visuelle, couche thermique, couche audio. Ok... Les sections en gras sur la piste indiquent la présence d'un indice que vous pouvez scanner. L'indice sera caché en, affiché en surbrillance pendant la durée de la séquence si l'éditeur est réglé sur la bonne couche. Ok, les indices peuvent se chevaucher sur la piste L'endroit où se fouchou, ça. Ok, fermé. Excellent. On passe à la suite. Maintenant, écoute bien. En mode analyse, tu peux extraire des conversations et des bruits de fond, si le filmeur était assez près. Cette tech enregistre tout, dans le moindre détail. Même les images et les bruits dont le filmeur n'avait pas conscience. Pour voir les sources des signaux sensoriels enregistrés, bascule sur la couche audio dans l'éditeur. Vas-y, essaie. Parfait. Maintenant, tu devrais voir plusieurs signatures sonores dans le magasin. Choisis-en une et concentre-toi dessus. Allez. Putain, t'es chier. Va remplir le rayon, je m'occupe de la caisse. Va plutôt te faire enculer, ouais. Alors, t'en dis quoi? C'est incroyable. Sérieux, on aurait dit que ça se passait à côté de moi. C'est comme ça que les implants d'enregistrement de DS fonctionnent. Ils captent tout, tous les éléments de fond. Puis l'éditeur les affine pour les rendre perceptibles. Continue de jouer avec les sons, explore un peu. Quand on aura marre, on passera à la suite. D'accord, donc les couches sensorielles. Dans la DS brute, tu peux parfois analyser des couches en plus, des choses enregistrées par le matos cybernétique du filmeur. Comme quoi? Eve utilise une optique Kiroshi qui capte l'infrarouge. Donc dans son enregistrement, tu devrais pouvoir isoler les signatures thermiques. Terrible. Maintenant, on attend que le Zig frappe le pommard au comptoir. Source du bruit. Ah, scan en cours. À remplir le rayon, je m'occupe de la caisse. Va plutôt te faire enculer, ouais. On a deux goûts en promo aujourd'hui. Curry et... Couchez-vous! Faites ce que... Ok, pause. Je veux vous voir les chiens sales. Le scan marche aussi sur les gens. Approche-toi de cette nana blessée. Essaie de l'analyser. Ok, on va basculer là-dessus. On peut la scanner. Cliente du magasin. Allez, on passe à la suite. Avance jusqu'au moment où notre artiste se fait plomber le cul. D'accord. Donc avance rapide. Vite, je te jure. T'as vu ça? Il s'est fait abattre et il a rien vu venir. Ce qui sera pas ton cas. Et là, on en arrive à ce que je préfère. Tu vois ce truc qui clignote au-dessus de l'entrée? Caméra de surveillance. Elle a dû filmer le tireur. Tu verras dans une seconde. L'image arrive sur l'écran, derrière le vendeur. Retourne au moment où l'écran est dans le champ de vision du gamin. Et scanne-le. Rembobiner jusqu'au moment où la vue surveillance est visible. Son propre Chumba l'a buté. Il avait sûrement préparé son coup. Une déesse dans ce genre, ça doit rapporter un paquet au marché noir. Un type refroidi en live, les fans de DS sont prêts à payer Ruby pour ça. Voilà, si t'en as vu assez, tu peux quitter. Ok. Bah on va X, on va quitter hein. Impressionnant, non? C'est dommage que la majorité des DS qu'on crée ici servent uniquement à se dégorger de poireaux. Enfin bref, t'es prêt à mater ton enregistrement? Je sais pas... On peut faire une pause? Je me sens encore comme ce gamin quand... J'ai eu ma dose. V, on n'a pas le temps. Allez, reprends-toi. Ok. Ok. Allez-y. Faut juste que T-Bug se connecte. Wow, une minute, qui? La runner de mon équipe, une spécialiste de la sécurité. Elle me dira quoi regarder pendant l'analyse. C'est pas un problème, j'espère. Si, justement, c'est un problème. C'est pas ce qui était convenu, Eve. Tu peux faire confiance. Judy, T-Bug est une pro. Y a pas plus discret. Tu peux lui faire confiance. Pourquoi? Juste parce que tu le dis? S'il te plaît, Judy. Je ne te mettrai jamais en danger. Tu le sais. Ok, V. Appelle T-Bug et on te fera plonger. Bon, est-ce que je peux être sur pause? Oui, on peut mettre sur pause. En tout cas, un épisode beaucoup trop long. V, Oui, 2 secondes, je dis au revoir à mes viewers et on reprendra après. Alors, t'en dis quoi? Oui, bah je vais appeler T-Bug. Donc, bah, la prochaine fois, comme je peux pas bouger, on se retrouve ici, on va appeler T-Bug. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Tout plein de liens dans la description. Des bisous et à bientôt.